À l'âge de 6 ans, mon cadeau de Noël, une arme en plastique, réplique industrielle. Il y a des guirlandes partout dans la maison. Je remercie Santa Claus parce qu'il a été bon. À l'âge de 7 ans, il m'en fallait une autre malheureusement. Je l'ai trouvé, à qui la faute? J'étais devenu expert dans le tir instinctif. Entendre toutes ces détonations était mon seul kiff. Pour moi l'avenir était au bout de mon canon. Mon père avait des armes et on tirait devant la maison sur des bouteilles vides, comme dans les films de John Ford. Et comme je visais juste, j'ai eu la garde-robe, un treillis camouflage et puis des bottes de pluie. Arme automatique, revolver et Uzi. Fusil de chasse, Fall, Glock. Un jour de bon matin, j'ai tiré sur le coq. Puis dans la cour de l'école, je m'embrouille avec une fille. Quand j'y pense aujourd'hui, c'était des broutilles. Pour me venger, je prépare une opération. Ouvre le garage, sélectionne des munitions. 9h du matin, on se place devant l'école avec mon pote John. On patiente, on boit de l'alcool. Tapis dans les feuillages, j'attends la sonnerie. Avec un genou à terre, non c'est pas des conneries. Porté par l'adrénaline, j'arme la M16. J'ai eu ma première victime, à le fusil à lunettes, c'est comme un jeu. Tiens, je te vends un feu, tu fumes qui tu veux. On est en Arkansas, mon père dit sans cesse et sans sas. Port d'armes, il aime les actions. En classe de mort, 11 blessés, CNN parlant de moi. Steve Carter, enfant de 8 ans.